Et voilà, je préfère cette pinceau parce que ça gicle pas la couleur un peu partout. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais c'est formidable ce pinceau que l'autre. Moi, je pense qu'avec la couleur blanche, ça marche bien avec l'autre pinceau. Mais avec la couleur rouge, jaune, donc je préfère ça. Et voilà, j'ai bien protégé mes mains. On va commencer. Mais c'est super couleur parce que une peinture, pardon. Elle est vraiment magnifique parce que ça, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur et puis ça sèche rapidement. Et c'est dans cette nuit même que je vais tout mettre en ordre. Dans cette nuit même. Alors, à toute. Les peintures sont là. Et ça va peinture mon goût très très bien. Vraiment trend tout à l'heure. Et ça super. Et au caca tout de suite. Et il n'y a pas d'odeur. Hein, pour la banane. Donc c'est vraiment bien. Alors on en a besoin. Mais là, on va utiliser plus pinceau. Oh yo. Parce que là, oui, là, mon laca vraiment. Et que. Bah, couleur et bah, nous sauter. Or, oh yo, c'est mieux. Donc voilà, vous aurez plus de temps, mais hein, c'est mieux. Alors, aux a protection et autour entre plafond, Namur, et puis aux yeux, ils a sol. Aux a sol, aux a protection, il y a mur, na plafond. Ok? Alors, on va commencer. Voilà. Je vais passer par derrière pour utiliser payer. Une échelle. Hein? Voilà. Et puis, la longue liba déconnion sort, la longue liba meuble, et bah, la statuette n'en a rien, c'est un joli. Voilà. Voilà. Ça là, d'accord, mon élève, on a pu s'en remonter. Combien on l'a là? Eh, monsieur m'a cassé. Bah, d'un père, monsieur gars, n'est-ce pas? Voilà. Toute première couche. Si c'est là, on a sa deuxième couche. Voilà. Ok. Après, on a zoom ça tout en ordre. Voilà. Un peu du mélange. Y a blanc, il y a rouge. Voilà. À côté, on se souvient que l'on a pas mis à pimper, mais la fond couleur. La tia rouge, la soukakuna, la salambana, la tia rouge, cheminée tikal pembe, la sima cheminée petit calipembe, parce que la tia va foutre à bas là. Et puis là, elle a rouge. Ok? Voilà. Et deuxième couche. Voilà. Deuxième couche. Bien rouge, c'est bien rouge, rouge bordeaux, magnifique. Voilà. Et voilà ce qu'on avait à quoi arranger. Salope. Oh là là là. Et voilà. Voilà le blanc où est parti et la cheminée dans le blanc et puis le reste donc tiens rouge bordeaux comme tout ça qui côté voilà on protéger bien le sol bien protéger le sol sinon coller la protéger pépard et la fenêtre voilà et puis la protéger le plafond alors je vais commencer avec les blancs. Et voilà, je vais commencer par la cheminée. Et ça parti au bas, la vanne d'Akabasakana, déjà salon à Bango. Donc, bah, tiens, ma colo. Bah, tiens, ma colo. Alors, on a cette peintre d'Ako Moubimba. Il reste un d'Ako, na blanc. Le sala, c'est bien. Blague, t'es. Et ça, la camale, malébé. Bon, comme c'est la nuit, on ne voit pas vraiment la différence. Et puis, quand j'ai l'habitude de faire des saletés,
pour ta peinture, ce que vous souffrir. Ce monde déjà comme changer au tiers pour que ça qui toko et ngalaka tout moment. Imaginons l'amour qui brûle tongo ba comme un mur na tinel. Iveti moindo. Iveti boula. Iveti kale son mwenene. Et voilà. Sili. Quand on a bon ça, on va mettre tout en place. Voilà, je fais là-bas. Je fais le blanc ici. Je fais le blanc. Voilà. J'ai mis la limite. Voilà. Voilà, on va voir demain matin ce que ça va donner. Et voilà, ça donne ça le matin. Le petit matin, c'est le petit matin. Voilà. Et j'étais là tard la nuit, hein, jusqu'à 3 heures du mat. Et puis, je me lève à 6 heures. C'est pas facile. Voilà. Donc, c'est le seul moment où j'en profite pour peindre ma maison. Quand les enfants dorment, là, au moins, il y a la sécurité. Il n'y a personne pour me déranger. Les enfants peuvent jouer avec la peinture pendant les jours. Donc, j'évite vraiment de peindre ma maison pendant les jours. J'en profite la nuit, la nuit, la nuit. Donc, j'étais là jusqu'à 3 heures. Alors, tout derrière, c'était blanc. Mathieu est rouge. Et puis, Sima, un salon à Banapé. Mathieu est rouge. Et puis, le reste, il y a la maison, c'est blanc. Voilà. Le reste, c'est blanc. La peindre, salon à Bana. Hein. Derrière, c'était blanc. Et puis, Nathia en rouge. Et puis, j'ai laissé la cheminée en blanc. Pour y peut savoir un peu valeur. Vous voyez maintenant, la cheminée, c'est pas vraiment. Et puis, c'était tout blanc, 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 blanc. Et j'ai mis la limite. Nakati Mundelo. De Barbara Lingala. J'ai vraiment tracé. J'ai bien partagé le blanc et le noir. Le rouge. Voilà, pour donner de la valeur aux fleurs. Le fleur et le blanc derrière, tu vois, ça donne toute la couleur de fleurs. Parce que si c'était rouge derrière, on n'allait pas avoir toutes ces couleurs de fleurs. Ça allait être caché, voilà. Voilà. La cheminée, j'ai peint en blanc. Et puis, voilà. Ainsi, c'est bon que ça va ridoter. Waouh! Vraiment, tout ça, si on appelle ça Rumutasa Musala, vraiment, ça allait coûter, je vous dis, une fortune. Peindre 190 mètres carrés, binomogo ça calcule. Si on a bien amundele. Si monsieur le blanc était là, la facture allait être vraiment salée. Hein? Voilà, il manque Daniela. On va mettre plus tard quand elle aura 4 ans. Voilà! Vous me notez combien sur 10? Soyez cool et gentil. Vous me notez combien? Voilà. J'ai encore le ménage à faire. Voilà, les D7, ça veut dire tout le prénom de mes enfants commence par la lettre D et les noms de la famille aussi, c'est la lettre D. Alors, Moutapona Oboyebie, vous le savez bien. C'est lui seul qui choisit le prénom de ses enfants. Ça commence par la lettre D. Voilà, D7. C'est son D, 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 D. Permis tes signatures et vous avez D. Voilà. Il va être à peindre un dakunaye. Vous êtes gentil. Il y a qu'on note. Vous allez gentil. OK. Sur 10, vous me notez combien? Soyez cool et gentil. Et je vous remercie. À la prochaine. Bye.